Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Vincennes ce mardi 17 octobre en compagnie des trotteurs bien entendu hein. C'est vrai qu'en général le mardi c'est les galopeurs ou sauteurs, c'est rare que ce soit les trotteurs, toujours est-il que là on a une compétition intéressante, le prix Freya qui sera la première course de cette première réunion, une compétition qui réunit des chevaux de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 142 000 euros comme vous le voyez, 16 concurrents au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste hein, le parcours classique de la cendrée parisienne. Voilà une course qui est prévue à 13h50 comme d'habitude. On a une course qui est assez spéciale déjà de par le fait qu'on ait des chevaux de 4 et 5 ans, mais aussi parce qu'il y en a pas mal qui vont faire un petit peu le tour. Je pense notamment au numéro 4 Jupiter de Plaie qu'on peut enlever, un cheval de trop monté. Le 5 Ilenque des Bosques qui fait sa rentrée également, un cheval de trop monté. On a bien entendu le numéro 8 hein, Isil Durpolois qui fait également partie des concurrents qui courent sous la selle. Et le 3ème ce sera le numéro 16 Jadrius de Guèze. Alors c'est toujours délicat d'enlever un Bazir, maintenant il est ferré. Il fait une rentrée, donc voilà, a priori, je pense pas que Jean-Michel Bazir joue sa carte à fond, même s'il a déjà bien fait à l'attelé, je pense qu'on peut sans souci l'écarter, même si voilà, comme j'ai dit, une course reste une course, mais en tout cas, pour moi, 4, 5 et 8, on peut écarter sans aucun souci. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 9, Ideal Green, que j'ai retenu en tête. Alors, Ideal Green vient de terminer deuxième derrière Indigo Pierre J. C'était ce même parcours, hein. C'est vrai que c'est à peu près le même lot, si ce n'est qu'il y a cette fois-ci la présence des 4 ans qui va peut-être leur compliquer la tâche parce qu'il y a vraiment des poulains de qualité au départ de cette épreuve. Toujours est-il que Ideal Green, il est en pleine possession de ses moyens, il adore ce parcours et c'est vrai qu'il est déféré des 4 pieds. D'ailleurs, il avait remporté 2 succès consécutifs sur ce parcours au mois d'avril, donc là il vient d'y terminer deuxième. François Lagadeau, pardon, est en grande forme actuellement, il s'entend bien avec lui. Pour moi, c'est le point d'appui par excellence. Maintenant, je le retiens devant Indigo Pierre J. Pourquoi je le retiens devant? Parce que c'est un changement de main. C'est Paul Ploquin qui sera sur Indigo Pierre J. Alors, il a déjà eu l'occasion de driver. Mais bon, j'ai quand même préféré retenir Ideal Green devant. Et voilà, pour moi, c'est un cheval qui est capable de mettre tout le monde d'accord. Et en deuxième position, pardon, c'est vrai que je parle d'Indigo Pierre J. Je l'ai pas retenu deuxième Indigo Pierre J. J'ai retenu les pensionnaires de Jean-Michel Baudouin derrière Ideal Green. J'ai retenu en premier lieu le numéro 12, Intello de Chenu, en deuxième position. Pourquoi? Parce que la dernière fois, il avait été préparé pour ça, il s'est montré fautif. Faut vraiment pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui a montré de la qualité. On connaît l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. Quand il prépare ses courses, en général, il fait souvent mouche, même si ça s'est pas forcément bien passé la dernière fois avec lui. Il a d'ailleurs repris un petit peu de fraîcheur hein, depuis cet échec. Voilà, défaire des postérieurs, il est bien engagé. J'ai eu du mal à choisir entre le numéro 12 et le numéro 3, hein, l'autre pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Du coup, j'ai retenu le numéro 3 en troisième position parce que je l'aime beaucoup. C'est un poulain de 4 ans qui a vraiment montré de la qualité. Il a désormais deux parcours dans les jambes, il est déféré des 4 pieds. Je pense qu'il est à l'aube d'un très beau meeting d'hiver et en attendant, je pense que ça c'est son premier objectif avant le meeting à proprement parler. Et même si c'est l'un des plus riches, des moins riches, il a quand même un an de moins que les aînés, il a autant de gains qu'eux, donc c'est vrai qu'avant le coup ça fait quand même pas mal de choses en sa faveur, et pour moi s'il est suffisamment affûté il doit pouvoir monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai donc retenu le numéro 10 Indigo Pierre J. Regardez cette régularité, il vient de gagner devant Ideal Green. Je vous l'ai dit, en théorie c'est une première chance, je retiens Ideal Green en tête, c'est logique de lui voir une première chance à Indigo Pierre J. Maintenant, je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours. Paul Ploquin se débrouille bien, j'ai aucun souci avec lui, mais c'est vrai que Franck Nivard a vraiment mené de main de maître pour s'imposer avec lui la dernière fois, et j'aurais préféré que ce soit lui qui soit encore une fois sur le sulky. Maintenant, le cheval est quand même allégé dans sa ferrure, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Voilà, il est régulier, il n'a jamais déçu cette année, il n'y a pas de raison que ça change pour moi, c'est un point d'appui absolu dans les 4 premiers. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 11, Ibrahim Eloi, je l'aime beaucoup. C'est un cheval qui a connu des soucis. L'hiver dernier, il a vraiment déçu au plus haut point, se montrant régulièrement fautif. Du coup, Pierre Béloche a pris l'option de le castrer. Ça a rapidement montré ses fruits, hein. Il a vraiment gagné en sagesse. Regardez, à part sa dernière sortie à Enghien, où il s'est montré fautif. D'ailleurs, je ne le condamne pas là-dessus. Voilà, c'était ici le prix des gletons. Je pense vraiment qu'il se rapprochait en épaisseur dans le tournant final au moment de sa faute. On sait que le tournant final sur l'hippodrome d'Enghien, il est relevé, ça peut toujours jouer des tours. Et c'est vrai que je pense que ce numéro 11, Ibrahim Eloi, il a surtout échappé à la main de son pilote. C'est pour ça qu'il s'est montré fautif. Moi, je le reprends en confiance. Il a déjà bien fait sur ce parcours par le passé. Déféré des 4 pieds.
Pour moi, il a largement son mot à dire pour une des 4-5 premières places. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 7, Jean Govici. Lui aussi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, vous allez le voir, on a des courses références en compagnie de Josco De Fils. Regardez, Josco De Fils qui bat Jean Govici à deux reprises. C'était au printemps, donc les deux chevaux qui sont un petit peu indissociables au papier. Maintenant, j'ai quand même l'impression que Josco De Fils est un ton au-dessus. En tout cas, il l'était au mois de mai, enfin durant le printemps. Maintenant, Jean Govici, il a quand même un peu progressé. D'ailleurs, dernièrement, il a couru le critérium des 4 ans. Alors certes, il ne termine que 11e, mais bon, jugé digne de terminer, de courir le critérium des 4 ans. Et puis même s'il termine 11e, il trotte une 12-8 sur une distance de longue haleine. C'était vraiment une belle performance, mine de rien, même si il n'a pas forcément été dangereux. Et je trouve que là, clairement, il descend de plusieurs étages. Il est déféré des 4 pieds. Pierre-Yves Verva, il s'entend bien avec lui. Moi, j'aime bien sa candidature. Alors, pour la victoire, je pense qu'il est un petit peu barré par 2-3 concurrents. Mais s'il venait à finir 4-5e, il n'y aurait pas à crier au scandale. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 15 Idaho Spring, un petit peu décevant hein, dernier temps. C'est un cheval, j'ai un peu du mal à le cerner. J'ai l'impression qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre et parfois, il surprend. Et c'est vrai qu'on a quelques courses références. Regardez, il avait gagné à Enghien en battant Antelo de Chenu ou Imoko Giblo. Imoko Giblo qui fait une petite rentrée qui sera ferrée. Donc, je l'ai écarté assez logiquement de ma sélection. Mais Idaho Spring qui s'entend bien avec Benjamin Rochard, ça c'est un avantage. Également, l'engagement est favorable. Les pensionnaires de Fabrice Soulois sont en grande forme également en ce moment. On l'a vu notamment avec Ove Pont-Vautier qui a réalisé une rentrée victorieuse il y a de cela une semaine ou deux. Donc, moi, j'aime bien sa candidature, peut-être pas pour la gagne, parce qu'un petit peu comme le numéro 7, Jean Govici, il a l'air barré, mais il s'entend bien avec son partenaire, et vu la qualité de l'engagement, on est obligé de s'en méfier pour une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 2, Jacques Demi. Je l'aime bien aussi, pourquoi? Parce que c'est un bon finisseur. On l'a souvent vu longer l'oreille, je l'ai vu être malheureux à plusieurs reprises, je l'ai même vu, je crois, du côté de Vincennes, durant le meeting d'hiver, il n'a pas eu forcément toutes ses aides à chaque fois parce que c'est un cheval qui court caché, ça comporte des aléas, il va certainement appliquer cette même tactique et pas forcément se retrouver en première ligne. Du coup, ça peut jouer en sa défaveur. Maintenant, si ça se passe bien, attention, il est capable de causer une belle surprise à Bellecote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13 Imagine Darling qui tarde un petit peu à retrouver son meilleur niveau. C'est vrai qu'elle a couru quand même des lots de qualité hein, à l'âge de 4 ans. Et ces derniers temps, c'était pas extraordinaire. Dernièrement, seulement 9e. Je m'attendais un petit peu mieux de sa part. Voilà, les pensionnaires de Étienne Dubois sont quand même un petit peu en forme. Hein. J'en ai vu un ou deux des jeunes qui ont gagné avec la manière ces derniers temps. Donc attention, la forme revient peut-être. C'est un regret parce qu'elle a besoin de me rassurer. Il a besoin de me rassurer. Mais sur sa meilleure valeur, il a les moyens de terminer dans les 4-5 premiers également. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, Ideal Green, que j'ai retenu devant le numéro 12, Intello de Chenu. Ensuite, le numéro 3, Josco de Fitz. En 4e position, le numéro 10, Indigo Piergi. Devant le 11, Ibra Meloua. En 6e position, le numéro 7, Jean Govici. En 7e position, le numéro 15, Idaho Spring. Et enfin, en 8e position, le numéro 2, Jab de Mi. En cas de non partant, le numéro 13, Imagine Darling. En conseil de jeu, pour moi, le numéro 9, Ideal Green, c'est vraiment la base intégrale. Il est capable de tout faire durant le parcours. Il aime ce parcours. Et c'est vrai qu'avant le coup, il représente un très bon point d'appui. Après, en deuxième point d'appui, c'est vrai que j'ai retenu le numéro 3 et le numéro 12. Le 12 un petit peu déçu. C'est vrai que ses dernières sorties sont un petit peu inquiétantes, entre guillemets. Maintenant, c'est sur sa meilleure valeur. Il a largement les moyens de terminer sur le podium. J'ai retenu en tête 9, 12, 3. Moi, je vous conseille, si vous voulez mon avis, de prendre le 9 en base avec le 12 et le 3. Et pour une troisième base, je vous conseille le numéro 10 qui, pour le coup, c'est la base intégrale dans les 4-5 premiers. Alors, il peut même peut-être gagner avec Paul Ploquin, mais moi, j'ai fait le choix de le retenir 4e. Mais c'est vrai qu'avant le coup, il offre beaucoup de garanties. Donc, 9, 12 ou 3 et le 10 en base, ça me semble être vraiment un choix assez judicieux. Voilà, on va se quitter là-dessus. On va faire un petit tour également sur le quintet de ce dimanche, hein, le prix de Bozzaris, remporté par Ami Soledad qui surprend hein, tête et corde. On l'a laissé faire, donc il s'est baladé, même s'il a dû s'employer pour finir. Là, Skatoucha qui a tracé une très belle fin de course. Du coup, Funker, le numéro 7, qui termine 3e devant le 6, Vasimix, et le numéro 8, Through the Mist. Du côté de Nodorwick, c'était un petit peu délicat de donner quelque chose avec un vainqueur assez surprenant. Mais quelques trios de part et d'autre, en plus des coups de cœur qui vous ont été indiqués par Top Prono et Tour Sélection. D'ailleurs, vous pouvez retrouver nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc, n'hésitez pas à cliquer.
Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos qui vont vous aider à faire le papier. C'est vraiment une vidéo qui a été faite pour vous, pour les débutants notamment, pour apprendre à analyser une course. Donc une formation qui est vraiment très instructive. Ce sera le deuxième lien de ce descriptif. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera le GNT du côté de Reims avec le leader actuel, hein, Gaspard Dangy, qui sera, je crois, de la partie. En attendant, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.